Et salut à toutes et à tous, c'est bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. En cette période un peu difficile, à moins qu'on soit sorti au moment où je diffuse cette vidéo du confinement, ce qui ne serait pas plus mal. Donc je l'espère de tout cœur, tout simplement. Et si jamais ce n'est pas le cas, malheureusement, je vous conseille vivement de vous abonner à ce que vous avez juste derrière moi, Disney+. Donc Disney+, qui est une plateforme de SVOD qui est sortie au mois d'avril, donc le 7 avril. Donc le 7 avril de cette année, le 7 avril 2020, pardon. Donc concurrent direct à Netflix, Apple TV+, etc., Amazon Prime et j'en passe et d'autres, bien sûr. Canal+, etc. Quoique Disney+ est diffusé en partenariat avec Canal+, donc c'est un petit peu une offre exceptionnelle par rapport à Canal+, mais vous pouvez bien sûr l'acquérir à part en vous engageant tout simplement, enfin en payant tout simplement un abonnement de 6,99€ par mois, qui est nettement moins cher que Netflix et que ce que fait bien sûr la concurrence. Donc pour 6,99€, alors qu'est-ce que vous avez? Vous bénéficiez de tout le catalogue Disney, bien sûr, entre autres de National Geographic, bien sûr également de Marvel, Pixar, etc., etc. Donc vraiment d'un catalogue très riche et très fourni qui sera renouvelé bien sûr au fur et à mesure du temps. Vous pouvez bénéficier également dans l'offre. L'offre contient, donc vous avez la possibilité de créer jusqu'à 7 profils. Donc 7 profils, donc si vous êtes plusieurs dans la famille, ça va arranger tout le monde. Donc tout le monde y trouvera son compte et son bonheur via un petit logo donc de votre petit avatar que vous pourrez aussi personnaliser par rapport à votre profil. Tout simplement, ce qui est plutôt sympa, là vous avez aussi un choix énorme. Bien sûr, le choix sera plus fourni au fur et à mesure du temps que Disney va s'étoffer avec son offre, tout simplement. Vous avez aussi, bien sûr, donc le flux vidéo diffusé en 4K, donc ce que Netflix ne fait pas pour un tarif nettement plus cher. Donc Netflix étant SD, si vous prenez le tarif de base, sinon vous pouvez bien sûr payer plus cher, mais du coup, vous allez payer votre abonnement légèrement plus cher, bénéficier ensuite de la HD. Donc Disney+, comme je disais, propose directement nativement de la 4K. Sauf bien sûr si on se retrouve toujours encore en période de confinement, pour l'instant ce sera du 1080p sur vos télés, ce qui est plutôt pas mal non plus. Sinon voilà, donc un format quand même 4K, donc très haute définition, donc jusqu'à 7 profils, et vous avez jusqu'à 4 écrans aussi en simultané, donc inclus dans votre abonnement Disney+. Voilà, donc moi je vous le conseille vivement. Moi je me suis abonné à Disney+ donc dès son lancement, donc lancement qui avait été repoussé, qui avait été prévu en premier lieu au 24 mars donc de cette année, qui a été bien sûr repoussé au 7 avril dû au confinement, tout simplement pour que tout le monde puisse bénéficier d'une meilleure connexion, ce qui est tout à fait normal. Donc encore bravo à Disney pour cette décision. Donc ça va aider quand même pas mal de gens à faire leur télétravail correctement chez eux. Voilà, donc comme dit, si cette vidéo est sortie après le confinement et qu'on est tous dehors, écoutez, tant mieux, mais n'hésitez tout de même pas à aller jeter un œil, parce que Disney, voilà, c'est quelque chose que tout le monde connaît et adore. Voilà, moi je suis fan de tous les dessins animés depuis tout petit. Donc voilà, et d'une nouvelle série qui vient de sortir dans l'univers Star Wars aussi, qui fait partie donc de l'offre bien sûr de Disney, puisque Disney a racheté les droits à George Lucas pour diffuser et faire d'autres Star Wars via la licence, tout simplement. Donc j'irai vous conseiller fortement de vous abonner, car bien sûr il y a une toute nouvelle série qui est bien sûr inédite et sera diffusée sur Disney+, qui n'est d'autre que le Mandalorian. Donc série exclusive sortie donc sur Disney+, et créée par Jon Favreau, que je ne saurais trop vous recommander. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo news vous aura plu sur Disney+, donc tout nouveau service de SVOD sorti donc ce mois-ci au mois d'avril. Donc voilà, donc si la vidéo sort un peu plus tard, voilà, donc sachez quoi qu'il en soit que l'offre est disponible, vous pouvez la télécharger compatible via iOS et Android. Et sur vos téléviseurs, si vous avez bien sûr un téléviseur récent, sinon vous pouvez toujours brancher un Chromecast ou un TV Fire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez plein de gros pouces bleus, ça fait énormément plaisir. Et je vous dis, portez-vous bien, ne sortez pas. Allez, ciao ciao. Plus les amis.